Je peux pas faire back comme ça. C'est ça. Donc on venait de terminer ceci. Où j'ai pogné ma cassette et tout et tout. Puis on était rendu à l'hôtel. Aïe aïe. Vraiment, je me sens mal. Mais bon, c'est noté. Ça arrivera plus. Le compteur de viewers ne semble pas fonctionner non plus. Tchito papou, ça, ça fonctionne. Ah, c'est ma faute, j'en suis désolé. Donc, note à moi-même, les raccourcis, ça vaut pas de la chenoute. Mais pourtant, j'ai dû accrocher un bouton. C'est niaiseux. On va recommencer. Oh là là. Quelle galère. On peut penser à du Castlevania, ça. Excusez, hein, je suis débutant. Je suis débutant. Mais je comprends pas comment je peux. Ah, ça c'est un bon cheat. Dans le sens que je peux faire whiz. Comme ça. Et whiz whiz. Comme ça. Ah. Bon, la clé est ici. Bon, c'est vraiment malheureux que j'ai perdu. Mais au moins, là, je le vois là, que ça fonctionne. Parce que... Quel gâchis. Quel gâchis. Bienvenue, puis-je vous aider? Vous, un fantôme? Oh, vous plaisantez? Je suis le gardien de cet excellent établissement. Bienvenue à l'hôtel Station Céleste, connu dans le monde entier. Monsieur Oshiro. À votre service. Combien de temps resterez-vous avec nous? Oh, je ne fais que passer, je gravis la montagne. Vous avez une sortie de secours? Une sortie de secours? Elle ne fait que passer, ça ne va pas être bon. Vous savez que je vous entends, n'est-ce pas?
En tout cas, notre porte de service de derrière est réservée au personnel de l'hôtel. Notre suite présidentielle du dernier étage offre une vue imprenable sur le pic. Vous y serez très confortablement installé. De là, je pourrai peut-être accéder au toit et descendre par derrière. La suite présidentielle, merveilleuse idée, Oshiro. Je dois vous enregistrer. Quel est votre nom? Je m'appelle Madeline. Mais je répète, je n'ai pas du tout l'intention de rester. C'est par ici, mademoiselle Madeline. C'est un livre d'or très ancien et poussiéreux. Les pages sont abîmées, il en manque beaucoup. Cependant, les commentaires sont élogieux. Nous n'oublierons jamais notre séjour. Je n'ai jamais été aussi en paix. Merci. Eh bien... J'ai accroché un piton de shortcut en voulant faire mieux, puis ça a donné ce gâchis là. J'en suis désolé. J'ai perdu une petite vingtaine de minutes, quelque chose dans le genre. Ça, ok. Et je suis pas là. On va y aller comme ça. Comme ça. Veuillez me suivre après, mademoiselle Madeline. L'ascenseur est au bout du couloir. L'hôtel est plutôt en sale état. C'est vraiment ouvert aux clients. Bien sûr qu'il est ouvert. L'hôtel Station Céleste ne fermerait jamais pendant la pleine saison touristique. Oh, laissez-moi porter votre valise. Mon sac? Non, merci, je vais le garder. Très bien. Oh, oh, oh. Ok. Et ben là, non. Vraiment pas. Puis là. Ça fonctionne. Comme ça. Hey, mais mon petit cœur. Mon petit cœur était juste là. Ok, un autre clé. Oh, ça va pas bien comme ça. Désolé pour le problème, en fond j'ai perdu une demi-heure de stream, mais je recommence où j'étais avant d'éternuer puis de briser tout. Et oui, il paraît qu'on peut éternuer et briser tout en stream. C'est ce que j'ai eu la joie de rencontrer
précédemment, mais j'ai perdu seulement quelque chose. 25 minutes, une demi-heure. Oh, oh merde. Oups, aïe aïe. Comme ça, comme ça. Voilà, et je m'accroche comme ça, j'accroche, et voilà. Bon. Parfait de même. Tout semble... Oui, c'est bien difficile. Ça dépend pour qui. Moi, à la date, je m'en sors pas si mal, je vais t'avouer. Mais oui, c'est un peu dans le même style que, comme j'ai dit tantôt, comme Super Meat Boy. Mais c'est ça, quand t'as un peu de skills. Mademoiselle Madeleine, je vous prie de continuer de me suivre de près. Je suis un établissement de classe internationale. Je n'ai pas de temps à perdre avec les clients qui lambinent. Je lambine pas, là. Ne m'attendez pas, je cherche juste un moyen de franchir cet endroit. Oshiro, espèce d'idiot, le client est toujours moi. Les affaires peinent enfin. Et tu perds tes nerfs? Oh, bien sûr, Mademoiselle Madeleine. Mes sincères excuses, je n'aurais pas dû dire ça. Je vous en prie, explorez donc à votre gré. Côté difficulté, si je le compare à comment je le compare à Cuphead, ben, je dirais que c'est différent. Parce que Cuphead, c'est un peu comme les jeux Contra, là, tu sais, dans le fond, c'est un side-scroller shooter. Fait que, puis une fois que tu connais vraiment le pattern des boss, puis des tableaux, ça devient un peu du par cœur. Il y a un peu de random, des fois, mais tu connais ça va être quoi les variables de random. Tandis que ça, c'est un peu plus... je veux pas dire linéaire, là, mais un oui, dans le sens que c'est le tableau qui est le challenge et non pas les boss. Fait que t'as toujours une surprise à chaque level, puis tu vas mourir plusieurs fois jusqu'à ce que tu comprennes un peu la technique. Ça reste difficile, mais faut que t'aies de la technique. Côté difficulté, je dirais que les deux peuvent faire rager à peu près n'importe qui. Mais... c'est un niveau de difficulté que moi, personnellement, j'apprécie. Mais, oui, il doit y avoir du monde... Ben, encore là, je veux pas généraliser, mais il y a sûrement des gens qui pourraient avoir de la misère à le compléter. Mais je pense que c'est le cas pour plusieurs jeux. Là. Il y a beaucoup de jeux que faut se donner, puis devenir meilleur. Bon, donc là, je suis rendu où j'étais quand je vous ai perdu. Ben, en fait, c'est ça. Un vieux papier ressort du désordre. Celestial Resort Hotel, à l'attention du personnel de l'hôtel. Il est malheureusement de ma responsabilité de vous informer que l'hôtel Station Céleste fermera jusqu'à nouvel ordre à la fin de cette saison, à cause de circonstances indépendantes de notre volonté. Avoir travaillé à vos côtés fut un honneur. Nous avons œuvré sans relâche pour garantir à nos clients l'expérience d'une hospitalité la plus mémorable possible. J'écris ces lignes, le cœur gros. Cet hôtel est devenu mon foyer, son personnel et ses clients, ma famille. Vous allez tous me manquer énormément. Monsieur Oshiro. Donc là, on comprend que... on vient de trouver une lettre qui dit que Monsieur Oshiro a dû fermer. Puis, on se doute un peu que c'est un fantôme, Monsieur Oshiro. Mais, lui, il prétend que non. Peut-être que c'est pas un fantôme. J'aime beaucoup le côté qu'il y ait une histoire au personnage. C'est rafraîchissant. Dans un jeu de ce style-là, là, souvent, ça va être beaucoup axé sur le gameplay, mais là, je dirais que les deux aspects sont fabuleux. Les trois avec la musique. À date, il n'y a rien que j'aime pas de ce jeu. Ah, ce désordre est devenu incontrôlable. Quand est-ce arrivé? Je ne sais même pas par où commencer. Monsieur Oshiro, vous gérez cet endroit tout seul? Vous avez raison, Mademoiselle Madeleine. Je ne nettoierai jamais ça tout seul.
C'est impossible. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Respirez bien, monsieur Shiro. Respirez. Ce n'est qu'un petit ménage de printemps. Enfin, pas si petit. Mais je peux vous aider. Vous êtes trop aimable. Mais je ne veux pas vous embêter avec ça. C'est une cause perdue. Bon. Ça veut dire, on va faire le ménage pour monsieur Oshiro, ma petite Madeleine. Je sais pas c'est quoi ça, mais je veux ça. So far, so good. Ça, ça a l'air un peu plus tough. Mais le jeu pardonne quand même beaucoup dans le sens que tu fais juste recommencer où t'as. Ouais, c'est un petit côté cute. L'histoire est cool. C'est vraiment. C'est l'histoire d'une petite madame. C'est une héroïne prénommée Madeleine qui veut grimper le sommet du mont Céleste, je crois. Je peux me tromper sur le nom du mont, mais ça ferait du sens que le mont s'appelle Céleste. Bon. Je tiens quelque chose. Non. Je tiens rien. Ok, là. Saint-Boswell. Tabarnache. Comme ça. On y va comme ça. Là, après ça, on chie comme ça. Là, par en haut. On attend qu'il y aille. Comme ça. Oh! Là, on va là. Là, on attend là. Là, et... tombe dans le trou. Mais, j'ai vu qu'il y avait un petit passage là. Avec une fraise. On peut essayer de ramasser la fraise. Faut essayer de toucher le moins possible au chemu. Parce qu'après ça, je pourrais plus repasser. Donc là, on veut se lâcher, faire ça. Comme ça. Yaha, on retourne. Ah! Qu'est-ce qui... Comme ça. Juste un petit coup, comme ça. Comme ça, un petit coup. Yeah, on monte. Yeah, comme ça. Là, faut que je réussisse mon... Oh, comme ça. Ah, Christy. Hein, de même. Ah, là, comme ça. Ah, oh, on y va de même. S'accroche comme ça. Yeah, de même. Monte en haut, comme ça. Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait toujours. Yes! Oh! Alors, puis-je? Ok, bon. Oh non! Je l'ai pas eu. C'est énormément de timing. Comme ça. Ok. Ouh. J'étais un petit peu merdeux là-dessus, mais on va le prendre. Et voilà. Ah, fraise nette, c'est... Ok. Bon, non, ça le fera pas. Faut que je... Au-dessus, l'autre bord, on monte. Pif, paf, pif, pouf. Je l'avais. Mais... Ok, je veux bien, mais... J'étais à un essai d'abandon. Non, ça compte pas, là. Hein? Non. On
matin qui reviennent, le fausse gruyère. Mais... faut... ok, non, faut que j'utilise mon boost. Comme ça, maintenant. Comme ça, voilà. Good. Bon. Ah, cool, je suis rendu. Ding. Ah, ça a l'air de faire du ménage pour Monsieur Oshiro. Ah, le voici, le voilà, Monsieur Oshiro. On va le voir. Je n'ai pas encore commencé que je me sens déjà l'esprit plus léger. C'est le pouvoir de la pensée positive. En fait, j'ai déjà fait un peu de ménage pour vous. Oh oui, merci Mademoiselle Madeline. Mais je vous en prie, posez-vous et laissez le personnel s'en occuper. Oshiro, espèce d'idiot, tu es en train de la perdre. Les clients ne sont pas là pour perdre leur temps avec le ménage. Vous allez bien? Oui, bien sûr. Vous ne serez jamais plus reçu dans un meilleur hôtel. Vous allez voir. On passera pour la traduction. Comment ai-je pu me laisser déborder par tous ces problèmes? Cool. Allons faire le ménage. Ouais, on dit pas ça souvent, mais je viens de dire cool. On va aller faire le ménage. Ah, c'est mon copain Théo. Salut Théo! Toi aussi, tu es client? Madeleine, je suis trop content de te voir là. Je raffole des mystères inquiétants, mais là, ça devient trop réel. As-tu parlé à Monsieur Oshiro? Je crois qu'il aurait vraiment besoin d'aide. Tu crois? C'est un vieux cinglé. Je parie qu'il est en train de préparer un coin où cacher nos corps. Je vais ramper dans ce conduit. Je vais ramper dans ce conduit. Il souffre de l'air froid qui vient de l'extérieur. Viens. Monsieur Oshiro est perturbé, mais je ne crois pas qu'il nous veuille du mal. Il doit juste ranger ce désordre. Je veux l'aider. Madeleine, c'est très gentil, mais c'est dangereux. Faut qu'on sorte d'ici qu'on appelle un spécialiste en vieux cinglés. On n'est pas préparé à ça. Je crois pouvoir communiquer avec lui. Vas-y, je te rejoindrai plus tard. Bon sang, tu es encore plus têtu que ma sœur. Je ne croyais pas ça possible. Oui, mais Monsieur Oshiro, c'est un fantôme, mais il est gentil, pas méchant. Il veut juste faire le ménage de son hôtel. Il prie là. Prie là, Monsieur Oshiro. Fais attention à toi. Merci, Théo. Je le retrouverai dehors. Je te retrouverai dehors. Là, ça m'a mis quelque part. Allez, hein? Quand est-ce que je passe, là, non? Là. Ok. Bravo. Bravo, bravo. Ah, je comprends. Je viens de comprendre que les fraises avec des ailes, faut pas se servir du dash pour les avoir. Fait que je fasse ça comme ça. Ça, pas comme ça. Non. Donc, ça, ça. Ça, ça, comme ça. Comme ça. Et de même. Et comment je fais pour y aller? Je comprends pas. Avez-vous une idée? J'ai...
faisant ça comme ça. Puis ça comme ça, on a dit de même. Puis là, faudrait que je saute. Mais. Non, parce que. Oh, il s'envole dans le sens que. Dans le sens qu'il s'envole, hein. C'est ça. Pas dans d'autres sens que ça. Dans le sens que je peux faire. Yaha. Puis pogner. Fatch. Ok. Le même. Ouais. Non, je sais. J'ai une idée. J'ai une idée. J'ai une idée. On va y aller comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Puis là, comme ça. Tu vois, c'est merveilleux. Parfait. Ça, comme ça. On avait dit ça. Puis là, je fais. Ah ah! Non, ça marche pas, Yob. Ça, je peux pas faire ça. Bon, ok. J'y aurais donné sa chance. Ben non, c'est pas bon ça. Ok. Non, on va abandonner le navire. Là, on va attendre qu'il soit de l'autre bord. Ah, oh, yaha! Tabarnouche. C'est. Qu'est-ce que je fais avec cette eau-là, moi? Ça a pas l'air de l'eau gentille. Zwiz. Il bouffe. Bon. Ça marche, comme ça. Bon, voilà. Si je comprends, ce que je suis en train de faire, ça représente faire la lessive. Comme ça. Ça, c'est correct. Non, pas le bon piton. Ça ici, voilà. Ce même. Il me touche pas. Puis là, oh là, il me touche. Il m'a touché, monsieur la jeune. Bon, cool. Pas ça. Fui. Fui. Oh oh. La madame a pu le stamino. Bon, au moins je sais comment pogner ma fraise. Des bonnes fraises puis des framboises. Clac, clac, comme ça. Paf. Non, ça me donne pas ma fraise ici. Ah. Crime bouffe. Bon. C'est le même. Ah non, j'ai pas pogné ma fraise. Et ça. Le trou de même. Pif. Et. Voilà. Bon, la lessive. Tide Pods. Bon. On est parti. C'est quoi? Ah non, ah, c'est la même lettre. Ok, je comprends. J'arrive de là. La lessive est faite. Pouvez-vous m'indiquer la sortie maintenant?
Écoutez, mademoiselle Madeleine, vous avez à peine eu le temps d'apprécier la myriade de luxe que notre hôtel peut vous offrir. Nous aurons le temps de parler quand j'aurai fini le ménage. Je suis très occupé. C'est vrai, les jeunes n'ont plus aucun respect de nos jours. Comme vous voulez. Elle a de l'attitude, Madeleine. J'aime pas ça. De juste passer par-dessus. Eh bien, qui l'a cru, c'est pas plus simple. Il y a un petit cœur en bas. Un petit cœur. Un petit cœur. Bon. Oh, ça se prend, ça. À faire genre un petit Leroy Jenkins. Ça, non, ça marche pas. Il faudrait que ça aille l'autre bord. Quasiment. Dernier petit shot, puis on a l'impression de l'oublier. Allez, vas-y, petite madame. Il fallait que je saute. Ah. Bon. Pour disparaître. Non, pour nettoyer. L'hôtel Station Céleste vous présente ses remerciements pour votre aide, mademoiselle Madeleine. Il va sentir que notre personnel allait s'occuper de ce désordre. Oh, certainement, oui. Quelle humiliation.
Vous devez être impatient de découvrir votre chambre. Il faut prendre l'ascenseur et vous le trouverez au bout du couloir. Montrez-moi la surprise de la sienne, ça a l'air très bien. Ouais, c'est ça, hein, il marche pas ton ascenseur. Faut faire le changement de... Ça, c'est notre autre doute. Bon sang, c'est un vrai dédale ici. Comment ça va avec le cinglé? Je l'ai aidé à nettoyer, mais il a fait son pauvre type avec moi. Il croit toujours qu'il va me convaincre de rester. Madeleine, sérieusement, on va avoir une mauvaise idée. T'as une alerte rouge sur ce coup-là. Ça devrait sortir vite fait. Si je disparais maintenant, Monsieur Shiro risque de s'effondrer. Alors que je pourrais faire quelque chose de bien pour une fois. Toute gentille. Je crois que ce mec va s'effondrer quoi qu'il arrive. Tu dois penser à ta sécurité. Théo, ça va aller. Oui, je savais que tu ne m'écouterais pas. On se retrouve dehors, la prisonnière. Oh non, je manque de Swiss. Ouais, c'est ça. Faut fouche. Non, c'est pas ça, c'est tout. Non, là j'ai pincé. Bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça comme ça, puis ça comme ça. C'est si m'en manque. C'est le même, puis ça le même, puis ça le même, puis ça le même. Ah ouais, là. Bon, c'est un petit peu trop téméraire, ça. Get out of my personal space. Get out of my personal space. Oh, what's up, Shinji Maxwell? Hello. Hello there. Hello there.
ça c'est bon. Ah oui, l'autre bord. Petite Madeleine. Oh non, je l'avais quasiment. Bon, ça comme ça, ça comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh! Waha! Yes, sir. God damn! Et voilà, Shiro, c'est ta dernière chance. Tu as déjà tout gâché. Laisse une cliente faire le ménage à ta place. Elle ne restera jamais. Si elle est toujours là, il aussi. Ok, c'est un fantôme avec un problème de personnalité multiple. Si elle est toujours là, il reste une chance. La suite présidentielle est la clé, ça va sûrement l'impressionner. Hello there. Reprends-toi au chien. Ok. Voilà, mademoiselle Madeleine. Suivez-moi vite, on y est presque. Bon, ben, j'imagine qu'il faut que je me garnote dans le tout. Ah, ben j'ai fait fuck off la fraise, on dirait, mais ça va me prendre une clé par exemple. Ça, c'est ça. Alors, comment ça va beaucoup de chemin. Mais comment. Ok, c'est pas beaucoup de chemin, c'est un chemin avec. Ah, les fraises d'eau, les framboises du bon vin, j'en ai vu. Je commençais par être capable de passer le tableau avant de. Milou. Milou. C'est bien pas évident ça. Bon, tiens, suicide. La cheat, ça. Oui. C'est le journal de Monsieur Oshiro. On dirait que le texte du dernier jour remonte à plusieurs dizaines d'années. À compter d'aujourd'hui, l'hôtel est officiellement fermé. Charlotte a organisé une randonnée d'adieu sur la montagne pour le personnel. Puis parmi nous sont déjà allés. Peu parmi nous sont déjà allés au sommet. Ça semblait être une bonne façon d'en finir, mais quand l'heure est venue, je n'ai pas pu quitter les lieux. Sans y faire un dernier tour. Je leur ai dit de continuer sans moi. Je les rattraperai dès que possible, après avoir bien vérifié que tout est en ordre. Je n'arrive pas à croire que j'en ai fini avec cet hôtel. Que vais-je bien pouvoir faire maintenant? Je resterai peut-être une dernière nuit afin de pouvoir faire de vrais adieux à l'hôtel. La face, la passe là, qui est pas fastoche. Comme ça. Comme snap. Ok, ben la technique du Zygon armement. Ça peut fonctionner, Zygon armement. Oh! Zygon armor. Bon, voilà. Ah, oh, la cassette, le B-side, c'est tough à pogner ça. Mais je le veux. Ouais, non, peut-être pas de même, mais. Clic, clac, clic. Tic, tac, tic, tac, non. Ok, pas de même. Tic.
clac, touc, clac, touc, clac, touc, clac, touc, clac, touc, clac, touc. Quoi? Clac. Ok, non. Ok, c'est bon. Yes! Cool! Ah, puis là, j'ai juste abonné par. Chou, 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 chou. Nice. J'ai pas flou, faut un exemple. Oh, c'est... It's getting tricky, tricky in here. Fait qu'il faut que je chante, pis que... Non, pis que pas ça. Pis que fire. Quasiment, hein? Qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce que je fais, là? Hein? Qu'est-ce que je fais? Bon, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah, ouais, donc. Yes, sir. Yes, sir. Ok, ça passe. Qu'est-ce que je grimpe? Comme ça, puis je lâche. Ok. Aïe aïe aïe. Fait que ça, pif, pif, pouf. Ah, sac. Ça commence à jaser. Voici notre suite présidentielle, plusieurs fois primée. C'est vraiment la définition même du luxe rustique. Je vous laisse vous plonger dans toute sa majesté. Je comprends que ça puisse faire beaucoup d'un seul coup. Non, non, pas un miroir. J'aime pas les miroirs. Alors, qu'en pensez-vous? C'est beau. Les meubles doivent coûter cher. C'est très spacieux. Les couleurs sont élégantes. On voit que vous y consacrez beaucoup de travail. Je savais que vous seriez impressionné. Ouais. Alors, je peux accéder au toit par ici. Espèce d'imbécile, tu es en train de la perdre. Oh, j'allais oublier de vous dire. Clients précieux comme vous peuvent bénéficier de nos meilleures chambres à moitié prix. Je ne veux pas rester. Oh non. Oh non. S'il vous plaît, Madame Madeleine. Restez, je vous en prie. Monsieur Oshiro, j'ai déjà perdu beaucoup trop de temps. Madeleine, ma chère, oublie ce loser. Loser? Vous êtes en plein déni, vieil homme. Cet hôtel est un taudis. Personne ne voudrait jamais rester ici. Il fallait que je le dise. Elle ne pense pas ce qu'elle dit. Je suis très occupé. Veuillez partir, Madame Madeleine. Allez, Mademoiselle Madeleine, tu l'as entendu. Où en serais-tu sans moi? Pourquoi t'as dit que mon bel hôtel était un taudis? Comment est-elle laissée ainsi? Et si elle disait vrai? Bien sûr qu'elle disait. Tu ne pourrais même pas nettoyer sans son aide. Moi, je voulais juste t'aider, Monsieur Oshiro. J'ai cru qu'on ne se débarrasserait jamais de lui. Tu me revaudras ça. Ajoute-le à la liste. Laisse-moi tranquille. Je te croyais pourtant tellement déterminé à poursuivre ta sortie. Et là, tout d'un coup, tu te transformes en thérapeute pour cingler. Pourquoi tu t'en vas pas? Mademoiselle Madeleine, avant que vous partiez, je dois vous poser une question. Pourquoi avoir été si aimable avec moi pour me quitter maintenant? Qu'ai-je fait de mal? Oh, arrêtez un peu, vous comprenez toujours pas. Elle n'aide les gens que pour satisfaire son ego démesuré. Elle ne s'est jamais souciée de vous.
Tais-toi. Je voulais juste aider. Vous êtes pitoyables tous les deux. Non, c'est pas lui. Oh oh. Pitoyable. Vous n'êtes venu ici que pour m'humilier. J'en ai fini de ramper devant vous. Ah. Oh wow. Ok, pour compter. C'est comment je fais les deux coups? Oh, qu'est-ce que c'est? Là, là, c'est pas facile. Oh. Oh, merde. J'ai bien de la misère. J'ai donc bien de la misère. Dans le chat, mais ça me dérange pas parce qu'on est 3 viewers, pis j'aime ça quand on est au moins 3. Vous pouvez parler, je vais répondre à toutes vos questions. Monsieur Uno, monsieur Uno, c'est la petite madame, la porte du mot. Ah. Oh. Pif, paf, pouf, pif. Ah, maudit, j'aurais pas dû. Oulik. Mais non, mais... J'ai dit... Ah.
Hello, c'est pas fin. Bon, cette phrase-là, elle va attendre son tour. Hey. Good. Wait a minute. Ah! Ça, c'est bon. Oh. Avoir un meilleur timing et que c'est pas beau. The rage will become real. Okay, we just listen. The rage is real. The timing of the game.
Ah, yes. Monsieur Shiro, arrêtez. Bon, ben, Monsieur Shiro, hein. C'est pas grave, parce qu'on a de la visite. On a de la belle visite. J'ai décidé de fermer l'hôtel pour réparation, mais non, on a tout fait le ménage. Il y a des fuites dans la plomberie du deuxième étage. Dans la bibliothèque, c'est un vrai chaos. Sans parler du trou dans le plafond de la suite présidentielle. Je vous ai pris, laissez-moi seul. B est bloqué. Bon. Deux petites secondes. Peut-être on pourrait prendre une pause rocher. Si on a... L'arête d'or. Mal à la pousse. Bon. Achou! Essayez quelque chose là, parce que vu que il a planté tantôt, on va mettre juste les temps de chapitre parce que le temps de play il n'y a plus rapport. Ah, non, let's face.
super, encore vous. Tiens donc, je m'attendais pas à te trouver ici. Je suis contente que tu sois encore en un seul morceau. Je vois que tu as réussi à franchir l'hôtel. As-tu rencontré Monsieur Oshiro? Ah, ça, on peut dire que je l'ai rencontré. Il m'a chassé de là-bas. Alors que j'avais fait plein de ménage pour lui. Oshiro est une âme perdue, ma chère. Cet endroit est plus qu'un simple hôtel pour lui. Je devrais l'oublier. Vous savez ce que je crois? Je crois que cette montagne vous a rendu fous tous les deux. Tu sais, t'es pas la première personne à me dire ça. T'as peut-être raison. Comment savoir si je suis folle? Selon moi, la montagne ne peut faire ressortir ce qui existe déjà en toi. Il faut déjà être un peu fêlé, rien que pour venir vivre ici, pas vrai? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Oh, je radote comme la vieille bique que je suis. Es-tu prête à abandonner? Je connais un raccourci qui te ramènera à ta voiture. N'y comptez pas, madame. J'irai jusqu'au sommet. Il est parfois difficile de faire la différence entre obstination et détermination, n'est-ce pas? Tu me fais penser à moi quand j'étais jeune. Bonne chance et fais attention, va. Ok, on est au Canada. On dirait qu'on est au Canada. Si je me fie au drapeau. Oh ouais. L'hiver est pas le fun. Ok, puis ça c'est pas des gentils herbages ça. Quel tarif est Bon, moi j'ai ça. Strawberry badge. You have the strawberry badge. Strawberry badge. Oh non, c'est pas des herbages. Ce ne sont pas des herbages. Bing boum. Bing boum. Bing boum. Hein? Non, je dis bing boum. Bing. Bing. Excusez. Excusez. Aïe 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 aïe. Excusez. Tabardouche. Oh, ma petite madame, elle aime pas trop ça. Putain. Et voilà. Ah non, fou. Je suis pas sûr que je comprends.
pas mal sûr que je comprends pas. Par en haut, par à droite, on s'agrippe, on garnote comme ça, puis on meurt. Hein, oui, aussi simple que ça. Mais... je comprends pas. Checkpoint. Je peux pas redescendre. Clic, clou, clic, clou, clic. Plus ça dit montagne vers là. Je comprends pas. Ah ben c'est le fun. Ah au moins. Je m'en doutais pas prendre tout qu'il allait avoir un shit machin. Oh mais là, c'est pas fin ça. Non, ça c'est pas bon ça. If, paf, ouf, ah. Pif, paf, comme ça, comme ça, ou la même, comme ça. J'aime ça, ça. Ah, non. Pas complètement. Yes. Monsieur Fries, Monsieur Fries. Mais il y a une flèche qui dit comme par là, mais... Je pense qu'on peut oublier ça. Chose que j'ai pas compris, on dirait, parce que... what? Ok, fait que ça se peut, mais... pas de main. Quasiment. Mais... je
essai là, quand même. Je peux voir, je peux essayer cette technique-là peut-être. Ben là, je commence à penser que j'ai pas le choix de passer par ici, là. Mais... quand je cliquote dessus. Ça, c'est genre fucking easy. Est-ce que je suis jambon? J'en reviens pas comment que je suis jambon. Je veux dire, comme, tu sais, comme style. Ah, lui il fait pas, hein, par exemple. Ah oui, lui il fait. Oh, ben là, si lui il fait. Ah, ça c'est spécial ça. Ou c'est moi qui m'avais peut-être. Je sais pas. Peut-être qu'on le sait. Mais pourquoi je parle sur jump? Je suis vraiment un empoté. Un empoté de poté de. Swizz, 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 whoops, swizz, ok. Swizz, on repassera. Ah mon petit chat, c'est un petit cabochon, ouais. Va.
compris, mais c'est quoi, je cueille des fraises. C'est une cueillette de fraises, j'imagine. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Parce que je pense que c'est le oui. C'est le oui. You know the way? Pas ça partout, hein, faut que je fasse. Mais lui, il se contrôle pas. Ou c'est juste moi qui ai jambon. C'est peut-être juste moi qui ai jambon. Non, faut que je fasse. Top! Ok, je comprends. Ça même. Je vais l'avoir. Ah merde, je ne l'aurai pas. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Bonsoir. Voyons donc. Bon. Enfin.
plus. Quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Ouais, votre cause est là. C'est ça qui arrive quand t'es pas bon. Yes. Je vais faire ça de même, ça de même, ça de même. Ah ouais, non. Je suis petit, je te semelle le pète. Hey, je commence à avoir mal au pouce. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, mon stun. Bon. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Au. Bon. Ben oui, c'est sûr. Il est bloqué, il y a même hier. Got it. Ok, fait que non, ça le fait pas. Ça le fait pas, ouais, c'est ça. Okay. Ça. Bon, ça c'est bon, on est de même, comme ça. Oh bien, yeah. Ah, j'avais dû pogner ma fraise. Merde. Se faire ça. De toute façon, ça. Ah, quoi que ça me sert le checkpoint. Hein? Aïe aïe, mais il est assez fort, hein, ce gars. T'es un vent du nord? Hein? C'est de revenir, il va faire du défi. Ok, c'est bon, ouais, ouais, ouais. Je comprends l'astuce. Pif, paf, pouf. Non, j'ai dit tiens, tiens, toi. J'ai dit tiens, toi. Il n'y avait pas ce chain de...
What? Wait. What? Mais... J'étais capable pourtant de aussi longtemps. Ah, c'est sûr comme ça, mais... Comme ça, mais il faut que j'en revienne. C'était impossible. Avec les outils qui me sont fournis, ceci me semble... Oh, ok, fuck off. Je m'acharnerai plus tard. Le jeu commence à vouloir me donner des défis. Mais... Ok, fait qu'il sert à rien ce ding-dong là. Je dis, ah ah. Ah ben, bravo. Mais non, mais je l'ai eu, là. Oh boy, ok, j'ai de comprendre. Ah, ouais, comprendre, c'est un grand mot. Pourtant, pas tant que ça, mais... Ça de même. Il faut que je suis là. Pif, paf. Ah ouais. Parfait. Ah. Thank you.
cool. Bon. Ce, ce, pif, paf, pouf, pif, paf, pouf, paf. Pif, paf. Bravo, bravo. Christine, 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 vous faites des bons biscuits. Ça, ça va pas dans le sens que je veux, c'est bon. Non, 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 non. Puis là, je veux que lui il aille par en bas, mais là sur le côté, puis là, ah ouais, comme ça, paf, pif, pouf. Merveilleux. C'est quoi ça? Bon, je sais d'avance que ce sera pas évident. On va se faire la fraise, là. Fraise nette. Attends, là, qu'est-ce que... Ok, tu me demandes tout ça. Et même plus. Ok. Fait tout ça. Non, non. Je veux tout ça. C'est bien pas faisable. C'est comme ça. Swiss, non, c'est ça. Qu'est-ce que c'est pas un peu facile ici? J'aimais bien le D-pad de la manette d'Xbox One, mais c'est pas tout à fait vrai finalement.
Parce que... c'est ça. Yes, quiet. Yes, quiet. Yes, yes, quiet, quiet. Yes, quiet. Yes, yes, quiet. Bon. C'est un freebie, faut que je la voie comme ça. Si je vois la bulle comme un freebie, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Puis on grimpe, c'est ça. Ok, les tableaux sont vraiment le fun. Qu'est-ce que j'ai fait? Bravo, bah, fucking vous. Yes. Sacre bleu. Théo. Théo qui se plante. Hein, Théo? Dans le mille. Théo, tu vas bien?
Ouais. Une minute. Une nacelle, j'ai toujours rêvé d'en faire. Elle n'a pas l'air toute jeune, mais elle fonctionne peut-être encore. Je ne vois pas d'autre moyen de franchir ce gouffre. Allons-y. Ce levier a l'air important, ma foi. Ma foi du bon, Yann. Ça marche à tous les coups. J'ai sûrement été pilote de nacelle dans une autre vie. Tu crois que c'est sûr? Je suis sûr que tout ira bien. Comment ça s'est passé avec Oshiro? Tu avais raison, je n'aurais pas dû tenter de l'aider. Je ne me pas rappeler que j'avais l'avais dit, mais... Ouais, c'est bon. J'avais dit d'écouter. Tu n'es pas blessé, c'est le plus important. L'air est tellement rare à cette altitude. J'arrive à peine à respirer. Bon, si on ne fait pas un selfie dans ce truc, on va le regretter. Ah, il gosse avec ses selfies. Je ne vois même pas le sol à travers cette brume. C'est à quelle altitude? On est à quelle altitude? Moins de panique, plus de pause. Oh oh. Oh oh, très mauvaise nouvelle. Peut-être que si je... Non. Bon, ça ne se passe pas bien, en effet. Non, ça se passe pas bien du tout. Madeline, ça va? Ouais, c'est juste que... Non, ça va pas. Je n'arrive pas à respirer. Fais une crise de panique. Comment tu peux penser que monter dans cet engin stupide était une bonne idée? Allez, ne t'en prends pas à moi. Fais-moi confiance. Ma grand-mère m'a appris un truc pour ça. Ferme les yeux. On voit une plume qui flotte devant toi. Tu vois? Ok. L'inspiration fait flotter cette pile. Continue de respirer calmement. Inspire. Expire. En fait, c'est une très bonne technique de relaxation de le faire, là, d'imaginer la pluie et de respirer. Là. Ben, c'est le fun. Une bonne technique pour combattre l'anxiété dans un jeu vidéo. J'avais tout vu, c'est le fun. Tu te sens mieux? Je crois. Merci de m'avoir aidé à me calmer. Comment as-tu su qu'on allait repartir? Oh, je pensais vraiment qu'on était cuit. Puis texte. Oh mon dieu, regarde ce selfie. Wow. Yeah, chapitre fini. Bon,
ça va faire 3 heures que je joue à ce jeu. Même un peu plus si on compte la partie que j'ai malencontreusement échappé, disons ça ici. Bon, c'était bien plaisant. Je pense qu'on va terminer le stream là-dessus, les amis. J'espère que vous avez apprécié ça autant que moi. Puis, je vais revenir, en fait, avec Céleste la prochaine fois, c'est-à-dire dimanche. Donc, dimanche, on continue Céleste ensemble. Ça fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Et on se revoit la prochaine fois.